C'est quoi ton place? Night Twitch Gaming. I am the champion. Comment tu sais? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau Let's Play sur Spider-Man 2. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépend à quelle heure vous visionnez la vidéo. Vos fêtes se sont-elles bien passées? Mettez-le en commentaire. Aujourd'hui, un nouveau Let's Play que je fais à travers ma nouvelle télé 4K. Voilà, donc on va voir un peu la différence à ne pas confondre avec une télé 4K. Ce n'est pas pareil, le 4K se mange, les amis. Donc go come on, on y va. Bref de conneries, allez go. Donc, mission principale, elle est où? Elle est là, allez on y va. Hop là. I'm so exciting, les amis. I'm so exciting. Waouh. Il est chambé, il est vers plus haut. Ah non, mais il y en a plusieurs. Heureusement. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Oh non, putain. C'est encore pire que ce que je pensais. Signe de Harry. Il est forcément ici. T'as commencé, j'ai terminé. Ganty m'a dit qu'il y avait des civils coincés à l'intérieur. Apparemment, cet endroit leur servait d'abri. On est sorti de la sain et sauf. Non, moi vous devriez voir la différence avec mes anciens let's play. Point de vue qualité d'image. Point de vue des couleurs aussi. Nous on a pu s'en rendre compte avec ma femme, Fanny. Franchement, c'est une tuerie. Donc j'ai pas fait d'unboxing, hein, je suis pas de cette génération là. Mais voilà, il s'agit d'une Samsung, c'est la 43 QLD. Ça serait bien que je meure pas. Waouh, ben voilà, c'est bien, ça commence bien. Je suis mort. Une. On vit dans un monde, ma pauvre vieille, je vous jure. Que ce que je pensais. Aucun signe de Harry. Il est forcément ici. Ganty m'a dit qu'il y avait des civils coincés à l'intérieur. Apparemment, cet endroit leur servait d'abri. On les sortira de là sains et saufs. Oh là là. Attends, mais d'où ils sortent tous? Ah ouais, d'où il sort quoi. Il veut se faire une armée. Sa version à lui, c'est qu'il essaie de guérir le monde. Je reçois des messages sur la fille de personne à l'intérieur. Ils sont trop nombreux. Ils essaient d'évacuer par le toit. Il vaut mieux dégager le passage. Il y a une sortie de secours là-haut. On y va. Waouh. Où aller à sortie de secours? Complicado, les amis, complicado, ils font hyper mal. C'est pas pour vous presser, mais ça a l'air d'être chaud. Oh non, 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 putain. C'est chaud, les amis. Wow. On m'a signalé une fenêtre cassée quelque part dans le bâtiment. Ouais, mais où? Allez, où? J'ai plus de doigts, j'ai plus de bras, j'ai plus...
trop large. Trop facile, putain. C'est pas pour me fesser, mais ça a l'air d'être chaud là-dedans. On est sur le coup. Allez, 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 reprends tes esprits, ça va bien se passer. Waouh! Ouais, ouais, parce que bon. Ça sert à rien en gros. Faut de les entoiler, c'est tombé quoi. Faut aller où? Faut aller là, ok. Allez, allez, tire, tire, petit bonhomme. Non, fallait pas tirer, putain! Merde! Fallait pas tirer, t'es dans la merde! Ah, les couleurs sont belles, mais on meurt toujours pareil, hein! Il est terrible, ce jeu, il est terrible! Ah, vous êtes bien comme ça! Franchement, comment se mettre dans la merde facilement? Je comprends pas. Oh, Martin Lee. Est-ce que tout va bien? Spider-Man! Putain, il est venu nous aider, quoi. Il m'a dit qu'il restait de ces choses à l'intérieur de lui. Je vois. Je pense que je peux réussir à les retirer. Ouais, mais je dois aller à la source. Alors j'y vais avec vous. Je continue à dire que Miles Morales a quand même des talents plus efficaces que Peter Parker. Franchement, déjà rien que la furtivité, voilà. Oh putain. On fait quoi, dis-moi pas que c'est pas vrai. Trouver Spider-Man. On est dans le Negative World. Cette matière noire devrait nous conduire à lui. Ok. Oh putain. D'accord. J'arrive. Mais au fait, on est où? Nous sommes dans l'esprit de Spider-Man. J'ai vu ce que font ces créatures aux habitants de la ville. Ils entrent dans leur tête, ouais. Corrompent leurs désirs. Alors, ils vous font de la concurrence? Je sais que tu plaisantes, mais tu ne crois pas si bien dire. Cette chose, elle craint mon pouvoir d'une certaine façon. Et je... Nous. Nous sommes les seuls à pouvoir trouver où elle vit. Donc on élimine cette chose à la racine, et Spider-Man est libre? Ouais, c'est le plan. Alors, d'accord. Ouais, mais tu peux m'attendre, mec, parce que... Moi, je vais pas si vite que toi, là. Y'a des astéroïdes, en plus. Waouh. J'ai changé son déplacement à Martin. Il y a plus d'emprise sur lui que je le pensais. Ok. On affaiblit le symbiote. Mm. On reprend le contrôle. Grâce à nos pouvoirs, on sauve Spider-Man. Ouais. Par où on commence? Pardon, non. On doit trouver la source de sa souffrance. Suis-moi. Je vais te mener à l'endroit le plus sombre. Mais j'ignore ce qu'on y trouvera. Ouais, tu vois? Un endroit le plus sombre. J'ignore ce qu'on va y trouver. Oh my god, j'ai envie de dire. Pas de ça chez nous. Ok. C'est pas le raft. Home sweet home. C'est toutes les personnes qui l'a arrêté. Je comprends pourquoi Spider-Man a choisi cet endroit. Après tout, nous sommes tous ici à cause de lui. Il protège New York. Ouais. Mais la prison ne suffit pas à résoudre tous les problèmes. Comme si je ne savais pas. T'avances, hein. T'avances, t'es trop lent, mec. T'es trop lent, Martin. En bas, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Ah, mais il est déjà là, le bougre. Tu crois? Oh putain, il m'a fait peur, ce con. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Il me manquait pas, ce boss.
scorpion. Rhino. Qu'est-ce qui s'est passé? Lee? Oh, c'est une évasion. Je suis étrangement soulagé de vous voir. Je tâcherai d'être à la hauteur. On doit continuer à se battre. Ces gens qui c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on fait, on se bat. Ça doit être frustrant d'arrêter des criminels pour les voir s'enfuir. Et causer du tort à nouveau. Ça fait partie du job. Il le sait bien. Comment ça? Et de croire aux secondes chances. Oh. Jamais! Allez, allez! Ah! Le chat qui griffe, quoi, c'est excellent! Ça suffit! J'ai compris! On a réussi? C'était vous, ça? Non. On est dans le noir! Le okay. Symbiote! Il les a tués! Il a résolu le problème. Ce n'est pas ce que pense Pete. Non, mais c'est peut-être ce qu'il ressent. Ah, ok. Tous ces malfrats. Ils pensaient sincèrement que le costume réglerait tout. Qu'est-ce que c'est? L'autre, il passe tranquille. Moi, Osef. Vous l'avez beaucoup fait souffrir. La symbiote. Une dette. Je devrais rembourser. Moi, je suis obligé de ramper là. Oh, la cabane au fond du jardin. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé d'elle, Pete. Qu'est-ce qui cloche chez moi? Vous y allez quand j'ai besoin. De notre vie. Il y a un trou plein de cailloux. Avec plein de mouches autour. Quelle bonne surprise. Viens me voir. J'arrive même. La recherche de l'équilibre est un marathon. Ce n'est pas un sprint. C'est d'accord. Peter. Oh putain! Il m'a fait peur! Putain. Excusez-moi pour ma fille. Vos pouvoirs ont bien le même effet ici. Ouais. J'ai l'impression. Waouh! Faut-il aller? Ok. Nous voilà au fist. J'ai dédié toute ma vie à cet endroit. Et c'est certainement la dernière fois que j'en vois l'intérieur d'aussi près. Même si je ne le mérite pas. Lee, pourquoi vous avez fait ça? Vous vouliez quoi exactement? Me venger. Mes parents sont morts à cause de Norman Osborn. Alors j'ai tout fait pour que sa vie soit un véritable enfer. Je suis désolé, Miles. Là-haut, c'est la source. Ok. Si on s'en débarrasse, nous devrions pouvoir le sauver. D'accord. Faut péter le globule rouge, en fait, là. Ouais. Ah. Vas-y, prends un coup, ça va mieux. Non. Il y a sûrement un autre moyen. Peut-être que... Il y a bien une autre option. Si j'arrive à transférer tout mon pouvoir vers le symbiote, ça pourrait le neutraliser et délivrer Peter. C'est pas risqué pour vous. C'est ce qu'on va découvrir. Bon. Miles Morales, on dirait qu'il a 70 ans. La dernière chance de vous parler, franchement.
J'ai chaud sous mon masque. Je vous pardonnerai pas. J'en suis pas capable. Mais je peux pas continuer à vous détester comme ça. C'est beau. Alors on règle ce problème. Tous les deux. Waouh. C'est beau ce qu'il lui dit là. Putain. Ça va me tirer la larme à l'œil, bordel. Prêt ? Allez. Soyez fort. Buvez du Saint-Pierre. Encore ? On va voir. Mais non. Si c'est ça. Ne pas m'avoir donné ce pouvoir avant, ça m'aurait aidé. Je te l'ai pas donné. Ah bon? Waouh. Il y a trop d'éclairs, tu l'éclaires. Putain, ce combat sur une branche. Est-ce que tout va bien? Très bien. J'essaie. Il y a le petit bonhomme vert plus haut là. Ça va qu'il a une belle couleur. Hein. Ah non, c'est pas possible, il meurt là, ce con là. On va voir si c'est ça. Ah, ils sont trop nombreux, il y a pas assez de vie. Pourquoi ne pas m'avoir donné ce pouvoir avant? Ça m'aurait aidé. Je te l'ai pas donné. Ah bon? Ah ouais, c'est moi qui fais tout, je te vois pas trop te battre, hein, Martin, hein, franchement. Je viens de le dire. Essayez et vous le saurez. Oh non, bah tu te fous de ma gueule. Putain, Miles, déconne pas. On va voir s'ils aiment ça. Pourquoi ne pas m'avoir donné ce pouvoir avant? Ça m'aurait aidé. Je ne te l'ai pas donné. Ah bon? Je peux faire mon attaque là, s'il te plaît, mec. Bien. Vite, repousse-les.
ils sont trop nombreux, ils sont trop nombreux. Soyez à la hauteur. Essayez ma méthode, un de ces quatre. Franchement, mon héros, j'aurais pas été très combattant. Essayez, et vous le saurez. Putain, je vais encore... Les amis, à l'aide, j'arrive. Mais qu'est-ce que tu nous as fait, toi? Tu te prends le jus ou quoi? Putain, toujours besoin de moi, le bouc. Allez, Martin Lee. On dirait le Martin Circus, quoi. Pour ceux qui ont mon âge, qui ont connu le Martin Circus. Non? Oui. Arrête, tu pleures comme une fillette. Tout est de ma faute. Je suis désolé. Et placement de produit, regardez pas. Bah, y a pas d'étiquette de toute façon. Vite. Et Peter Parker. Arrête de pleurer comme une gonzesse, Peter. Merde. On a réussi. Spider-Man. Oh putain, ils reviennent. Spider-Man. Oui. Spider-Man, debout. Viens voir. Waouh. Oh. Ah bah super la tenue. Partez. T'as combien de tenues, Peter? Je m'en occupe. Oh non, non, ben non. Lorsque les symbiotes ennemis sont exposés aux attaques anti-venom, des par l'anti-venom, okay. C'est bien plus qu'une nouvelle tenue. Ah ouais. Oh, oh. Ça sent d'où ce truc? Avec lui, on a allé dans ta tête pour supprimer les restes de symbiotes. Il a dû se vider de ses pouvoirs pour te sauver. On dirait bien que ça a marché. Attends. Vous avez fait équipe. J'allais quand même pas te laisser mourir. Ouah, wow, mais c'est chambé. À force de trop te dire merci, j'ai l'impression que ça opère de sa valeur. C'est pas grave. T'inquiète. Je ne mérite pas ça. Non. Spider cochon jaune qui arrive. Vert fluo, force rouge, force vert, force bleu. Putain, mais on est dans quel jeu, là? Panny. Force rouge, force verte, putain. Oh non, dis-moi pas que c'est pas vrai. Non, non, non. Ben non, je fais l'esquive, putain. Putain, je peux pas mieux faire d'esquive que d'esquive, quoi. Au bout moment, oh, putain. Et si on remettait ça? Un biote colossal, quoi.
cours. Cours, 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 cours. C'est bon, je l'ai eu. Ouh. Le problème du sprint, j'ai compris mon erreur, c'est qu'il faut laisser appuyer R2 pour sprinter, quoi. Je devrais complètement vous remercier. En bidon, je trouve, comparé à L3, mais bon. J'ai gaspillé des années de ma vie à courir après la vengeance. Et au final, j'ai tout perdu. Vous m'avez rappelé que je valais mieux que ça. Eh oui. Que sauver une personne, c'est sauver le monde. Voilà, les Condés qui arrivent. La flicaille. Qu'est-ce que vous allez faire? Arranger les choses. C'est beau. Comme vous. Regardez le chat. Caramel. Waouh. T'as reconverti ton ennemi juré. Moi, j'ai jamais fait ça. Ah, c'est beau, c'est beau. J'y ai peut-être raison. La ville n'a plus vraiment besoin de moi. Puisque tu es là. Non, mais t'as une belle tenue. Le blanc te va bien, Peter Parker. Je suis pas sûr. J'ai quand même l'impression que deux Spider-Man ne sont Peter pas... Peter Parker, trop. L'homme aux mille costumes, hein, je vous le dis. Fichons le camp d'ici. Ouais. Ah oui, on rentre chez ta mère. Ok. Ok, arranger les choses, terminé. Bon, les amis, on va. Des nouvelles d'Harry? Pas encore. J'ai eu un contretemps. Je crois que Miles m'a sauvé la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il restait des traces de symbiote en moi. Ça a commencé à prendre le dessus, mais... Martin Lee m'a donné son pouvoir. Ouais. Mais c'est différent. Les voix sont parties, il reste plus que le pouvoir. C'est bon. C'est incroyable. Et Pete, voilà. Je voulais juste que tu saches. On a retiré ma signature de l'article. Je vais vous montrer le coucher de soleil, les amis. J'ai aussi donné mon préavis. Ça veut dire? Avec l'effet nouvelle télé. Que si jamais le monde se transformait en cauchemar à l'île. Regardez comme c'est magnifique. C'est avec toi et personne d'autre que je veux me retrouver en commun. Ah! Eh ben c'est réciproque! Continue de chercher Harry. Je te ferai signe si j'entends quoi que ce soit. Ok. Ok. Pendant que je cherche Harry, je devrais regarder qui a besoin de mes speeder services. Personne, je veux la mission principale. Non? Tu peux pas me donner une mission principale? Bah écoutez, on va se dégommer les camps en bas là. Les petits voyous là. Dans cette boutique. Ah ouais. Restez à l'intérieur. Oh là là, ils font plus mal qu'au début, hein. Ah ouais. Ils sont tous symbolisés. C'est bon, on a réussi. Tout le monde va bien? Par tout le monde va bien, il n'y a que ma vie qui va très mal. Tu m'as sauvé. Ouais. Bah allez, cassez-vous, rentrez chez vous. Quelle idée de travailler aussi à cette heure de la nuit, putain. Mission principale, où est-elle? Ah, me dites-moi pas dans ton cul, hein. Attendez. La carte, putain, la carte elle est trop grande, soit. C'était terrible. Putain. C'est quoi ça? Quartier des affaires. Allez. On dirait qu'Howard a besoin de moi. J'espère que Pidgey et lui vont bien. Allons voir Howard. Spider-Man. Oui, c'est salut moi. Howard. Salut Pidgey. Comment ça va pour vous? Oh, on n'a pas à se plaindre. Vous voulez nous rejoindre? Qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il vous faut? J'aime bien m'asseoir ici. Ah ben t'as une belle vue, hein. Vue. Il y a un ferry qui arrive. Vous le voyez? Tu le vois, le ferry?
Je vois. Ouais. Vous embarquez avec Pidgey? Peut-être pas maintenant. Ouais. Je prendrai le prochain. J'adorais prendre le ferry. C'était comme voguer vers une grande aventure. Mais oui. What? Vous voyez ce hors-bord jaune avec le bas noir? Ouais. Il y a pire comme embarcation. Un bourdon sur les vagues. J'aimerais tellement pouvoir me mettre à la barre, faire un petit tour. Howard? Naviguer jusqu'au bout de la rivière, vers ces trois colonnes, où une cité ancienne se cache dans les nuages. On va faire du bateau. Trois colonnes? Légèrement à droite, cherchez les lumières rouges. Vous parlez de ces trois cheminées? Pourquoi? J'ai travaillé 20 ans dans cette usine. D'accord. Quand ils m'ont viré... La nostalgie. Ça m'a pas mal ébranlé. Ouais, du et coup, puis, quand ma la femme est décédée, ça a été le coup de grâce. Mais mes oiseaux m'ont réappris à voler. Le petit Pidgey, surtout. Je suis navré, Howard. Qu'est-ce que je peux faire? Une dernière. Vous savez où se trouve Madame Liberté? Oui. Elle est complètement à gauche. Elle est là-bas. La statue de la Liberté. Tu la vois? Regardez. Et qu'est-ce que... Oh, wow. La volée? J'ai besoin de votre aide, Spider-Man. C'est décidé, je pars enfin à l'aventure. Mais avant ça, je veux libérer mes oiseaux. Qu'ils voient le monde au-delà de cette ville. Mais c'est des pigeons. Vous pourriez me les emmener au nord, dans un endroit paisible. Ah non, dis-moi pas que je vais faire accompagnateur trop, de pigeons. Quoi. C'est toute votre famille. Il est grand temps. Sifflez pour voir. Ok, c'est. Tu siffles comme une merde, Peter. Allez, sans déconner. Je vais suivre les quais. Le temps de réfléchir à une destination. Ok. C'est bon, c'est pas un truc avec du temps. Ça me va bien. Battery Park. De jolis monuments et autres perchoirs. Mais Howard voulait que vous découvriez le monde. On trouvera autre chose. Cap sur le pont de Brooklyn.
voilà, c'est l'amour de ma vie. Donc elle le sait. Je devrais aller voir Howard. Ils doivent déjà comme ma femme, à mon bébé. Bah oui, Howard. Super bien. Elle risque d'être jalouse si je le dis pas. Bah. Salut, Spider-Man. Qu'est-ce qu'il a eu ? Pardon, c'était un ami. Prenez tout le temps que vous voulez. Si je puis me permettre, il avait l'air d'être en paix. Ouais. Non. Il a enfin rejoint sa femme pour d'autres aventures. Merde, il est parti. Putain, c'est pour ça qu'il voulait qu'on enlève les pigeons. Oh, peu cher. Putain. Oh, ben vous merde, en faites pas, Howard. La volée est libre. Oh là là. Donc, est-ce qu'on va avoir une nouvelle mission là du coup ? Ah. Bon, j'ai du nouveau. Ah, super. Je viens de tomber sur un article de recherche fascinant, publié par une professeure de l'université de Morningside. Elle appelle ces créatures qu'on voit partout en ville des symbiotes. Parce que elles vivent en symbiose avec l'autre. Les amis, c'est terrifiant. La menace est réelle. Mais on perd pas espoir. Vous trouverez dans la description une carte des refuges ouverts dans toute la ville et des plans d'évacuation pour les personnes âgées et à risque. Ok. Là dehors, les Spider-Man se battent pour nous protéger. Mais on doit faire de notre mieux pour les aider. On peut y arriver. Ok, donc normalement, on doit avoir une mission principale qui s'est ouverte quelque part. Hein. Non ? Non, pas de mission. Docteur Connors ? Ah. Allô ? Il est là, dans mon labo. Tout est lié, allez au labo, ok, super. Miles, retrouve-moi au labo de Connors. Je crois qu'Harry est là-bas et ça se présente mal. J'arrive. Vous savez, les amis. Central Park devrait me mener au labo. Il faut que je trouve un moyen de parler à Harry. Il est là. Je sais que je peux l'atteindre. J'espère qu'il fera pas de mal à Connors. Oh yeah! Wow, l'aspect de vitesse là, putain, c'est excellent. Excellent. Tranquille, en freestyle. Allez, vas-y, lâche-toi. Oh yeah! C'est vraiment un pur plaisir de se balader dans les rues de New York, là, comme ça, à la mode Spidey. Allez, on arrive bientôt. Waouh! Qu'est-ce que vous fabriquez? Oscorp Industries. Merde! Non! Venom, comment on se retrouve? Pitié. Rendez-moi mon fils. Eh oui. Regarde-nous. Nous sommes en bonne santé. Enfin. C'est bien ce que tu voulais. Par contre, quand tu as chez le dentiste, ça te coûte pas une blinde avec toutes tes dents que tu as. Un petit peu. Ah, hein. Harry, on peut t'aider.
Oh merde! Père Osborne! Toi, casse-toi, parce que... Où est passé le reste? Je sais pas, monsieur. Vous avez pas faim, j'espère. Oh! Bille après. Ah ouais. Non, s'il vous plaît! Dis rien, tu vas rien faire contre lui. Oh, c'est pas dit, j'étais comme une crêpe. Il y a des portes d'entrée, il faut toujours qu'il casse les plafonds. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Terrible. On va pas tarder à le savoir. Je dois vous le dire. Harry n'est plus là. L'autre et le symbiote ont entièrement fusionné. Je trouverai un moyen de le sauver. C'est impossible. Ah, c'est-à-dire que Venom a pris le dessus sur Harry. Quoi. Comment? En tuant son hôte. C'est-à-dire qu'il faudrait tuer Harry pour tuer le symbiote. Sauver mon fils. Ah ben non, non. Et pas de ça chez nous, Lisette, hein. Vas-y, vole, plane. Plane, vole, saute, cours. Ah, la cathédrale. Ah ouais, il a... Il s'est occupé vraiment de toute la ville, le symbiote, là. What the fuck? Là, c'est devenu un monde apocalyptique, les amis. On est dans The Last of Us. Où la nature reprend ses racines. Waouh. C'est terrible, horrible. Ouais, donc ben, il va falloir tailler tout ça, hein, parce que... Y a du dégât, hein. Oh non. Peterman. Ouais. Vous voyez la même chose que moi, j'imagine. Ah ben ouais, carrément. De nombreux habitants de New York se font attaquer par ces choses. Je m'en occupe. Faites attention à vous. Il lui manquait plus que cette météorite. Non, il peut guérir le monde. C'est clair. C'est pas ce qu'on avait en tête. Ah, t'as vraiment pas de bol, Peter. Un grand pouvoir demande des grandes responsabilités, mais alors là, t'as pas signé pour ça, mec. Ça c'est moins beau, ça c'est moins beau. Putain, soigne, soigne-toi. Vous êtes des ouf, je viens de me soigner. Ouais, mais allez vous faire... Waouh. Pas paouté, quoi. Ouais, ce jeu de malade. Symbiote attaque ces personnes. Ah non, non, je viens d'avoir mon attaque spéciale, quoi. Donc, attendez, putain, elle est terrible. Voilà. Devoir déclencher son attaque spéciale dès le début, quoi. Thank you.
Voilà, t'as compris ou je t'explique? Waouh, ils sont mouse costauds, hein, les potos, je vous le dis. Ces gens sont en danger. Bougez pas! Waouh! Attendez, il faut que j'aille à 100 mètres, je reviendrai vous tuer après. Le bus. Je dois sauver ces gens de l'attaque des symbiotes. Gardez votre calme. Je m'occupe de ça. Bah où tu vas? Mouse costaud les mecs. Hein. Oui, eh ben, je vous ai sauvé, non? Ah non, ok. Tu vas t'arrêter, disons, sors de ce corps. Cette zone est dangereuse. Non mais me bousculez pas aussi comme ça, je vous aide. Le fils te vous accueillera. Oui, mon zéro. Nice. Il faut qu'on parte. Tu m'étonnes. Il y a des nids qui surgissent un peu partout. Je t'envoie les coordonnées. Bien reçu. Fais gaffe à toi, surtout. Ce truc, c'est du délire. Ok, à 900 mètres, putain. Pareil. Je te retrouverai, mon pote. Ah, ce truc, c'est du délire, quoi. Quelque part. Il y en a de partout. Là-haut, ça sera sur un toit, les amis, on est d'accord. Ah, ils sont partout. Hein. Il est où le... Eh, tu veux pas monter là? Putain, c'est la merde. À là-haut. Waouh. Non. Ta tenue, c'est pas un extraterrestre. Il est temps que Miles Morales ait son propre style. Quelque chose d'unique. Excellent. Ça rend bien. Oh merde. Oh putain. C'est quoi cette tenue de malade? Qu'est-ce qui s'est passé? Harry a pris la météorite. J'ai pas pu l'arrêter. Connors dit qu'on peut pas le sauver. Qu'il faut qu'on... Mais je veux pas le perdre, Miles. Je peux pas revivre ça. J'ai vu May quand j'étais... dans ta tête. C'est pas ta faute, Pete. Elle voulait te sauver. Et oui. Sauver tout le monde. Tante May. Une si jolie brave dame. Autres. Même quand elle était à bout de souffle. Si May. Mon père. Bon, on n'est pas le 6 mai. Il voudrait qu'on arrête de penser à eux. T'es pourri, ça. Il voudrait qu'on aide les autres. Qu'on se batte. Harry peut être sauvé. Quand Harry rencontre Sally, on va se battre pour le récupérer.
À vos ordres, coach. Alors, faut qu'on se sépare pour couvrir plus de terrain. Ouais. Tu trouves la météorite et moi je nettoie les nids. Ouais. Entendu, Spider-Man. Allez, go, zou, vol. Mayday. Non. Avec sa choucroute qui dépasse de sa tenue, quoi. Franchement, c'est excellent. On ferait mieux de s'y mettre. Oh putain. Donc, les amis, j'ai envie de vous dire la suite au prochain épisode. Prenez soin de vous, portez-vous bien, on se dit bye bye, allez ciao et restez. Il faut que j'aille inspecter ce gratte-ciel.